What was has always been, what is has always been, what will be has always been. Such is the nature of beginning. Ce qui était a toujours été, ce qui est a toujours été, ce qui sera a toujours été. Voilà la nature du commencement. Pour Kahn, la seule chose qui importait n'était pas le comment, mais le quoi. C'était de trouver, c'était pour un architecte, quand il travaille sur son projet, non pas de développer le projet depuis une idée jusqu'à des plans d'exécution, mais au contraire de travailler jusqu'à ce qu'il appelait le commencement. Et le commencement, c'était ce qui n'était pas propre à un architecte, un style, à une époque, à des circonstances, mais ce qui était partagé par tous, ce qui est commun, ce qui est vrai pour tout le monde, ce qui a donc toujours été. Et ce qui est très émouvant dans ce film, très intéressant aussi, et ce film que j'ai vu un très grand nombre de fois et que je ne peux pas revoir sans avoir les larmes aux yeux, comme je pense beaucoup de gens, mais il se trouve que j'ai connu pratiquement tous les gens qu'on voit dans ce film par ailleurs. Ce qui rend ce film très intéressant, c'est qu'au fond, Nathaniel est à la recherche de son commencement, lui aussi. Et comme dit un philosophe, chacun passe sa vie à chercher son nom. Et Nathaniel va découvrir son père un peu dans ce que ses amis ou les gens qui l'ont connu lui racontent, mais finalement, ces interviews sont parfois un peu décevantes, en particulier celles de gens connus aux États-Unis. Les plus belles sont les dernières, en Inde et au Bangladesh, évidemment. Et au fond, Nathaniel fait mieux que Proust dans Contre Sainte-Beuve. Il va demander à l'œuvre de lui parler de son créateur. C'est quelque chose, je trouve, d'absolument étonnant, enfin d'une très grande profondeur, quelque chose de très bouleversant aussi, parce que, au fond, quel architecte pourrait, au fond, quelle œuvre architecturale pouvait à ce point se prêter à cette recherche du commencement ? Voilà, je voulais dire ça juste en introduction. Après, on va échanger des propos. Évidemment, plein de choses à dire sur Kahn. Merci beaucoup, Christian. Alors, ça tombe bien parce que ma première question était sur le commencement. Donc, je vais passer à la suivante. Mais je rappellerai quand même que Louis Kahn est un architecte du commencement. Il écrit, du reste, un très beau texte sur le commencement. Il essaie d'expliquer en quoi le commencement l'émerveille. Et du coup, moi, ça m'a fait réfléchir à ma discipline, c'est-à-dire la philosophie, enfin à mon indiscipline plutôt. Et je me suis dit qu'il y a effectivement les philosophes du matin et les philosophes du crépuscule. Et que lui serait plutôt un philosophe du matin. Alors, c'est vrai qu'il est toujours en train de. Et c'est ce « en train de » qui, moi, m'intéresse beaucoup. Son fils, qui a un prénom gidien, d'une certaine façon, les nourritures terrestres, son fils, lui aussi, adhère à l'image du nomade. Et quand je dis « à l'image », c'est au sens propre comme au sens figuré. Souvenez-vous, quand il discute avec l'architecte d'Habitat, à Montréal, de 67. Et là, on voit le désert et on voit un homme, un nomade, sur son petit animal. Alors, on ne peut pas ne pas t'inviter à parler de Louis Kahn sans te demander des éléments autobiographiques, évidemment. En quelles circonstances as-tu été aux États-Unis, à Philadelphie, et pourquoi lui et pas un autre ? Alors, bon, j'étais simplement un élève de Bernard Huet, qui lui-même avait été aux États-Unis, chez Kahn, quelques années avant.
D'ailleurs, sur la base d'un grand malentendu, parce que Kahn, en Europe, passait pour un grand spécialiste de la préfabrication. Vous voyez, c'était parce qu'il avait fait les Richards Building, qui sont stupidement sous-traités Katz Building. Les sous-titres sont parfois complètement faux. Bref, donc, et donc il a découvert Kahn, et puis il nous en a parlé, et puis donc, quand j'ai fini mes études, avec Marina, ma femme, qui est architecte aussi, on a eu la chance d'avoir des bourses pour pouvoir aller étudier à l'Université de Pennsylvanie, chez Kahn. On était très naïfs, on ne se rendait pas du tout compte de ce que c'était, enfin, on mesurait mal la chance absolument extraordinaire qu'on a eue. On ne connaissait d'ailleurs pas son œuvre. À l'époque, il n'y avait d'ailleurs pas beaucoup de librairies d'architecture, il n'y en avait même pas du tout à Paris. Enfin bref, voilà, donc on arrive chez Kahn, et première séance, il y avait aussi David Elalouf, parmi nos amis, qui était là aussi étudiant avec nous, on était trois Français, puis il y avait, la classe c'était 18 personnes, c'était vraiment extraordinairement privilégié, moitié d'étrangers, moitié d'Américains. Les Américains avaient souvent fait des études d'architecture, ils savaient vachement bien faire des dessins détaillés, etc. Nous, on avait fait 68, donc on savait absolument rien. On était tout imprégnés de marxisme et de structuralisme. Hop, on débarque là. Et on tombe sur un grand métaphysicien, ce qui nous changeait un peu du discours de nos professeurs. Et la première séance, c'était autour d'une grande table dans ce magnifique studio qui était au-dessus de la bibliothèque d'architecture de l'université, dans le Furness Building, magnifique. Non, c'est pas Penn State, c'est l'université de Pennsylvanie. Penn State, c'est une autre université. Et donc, dans le Furness Building, magnifique bâtiment, et on est une espèce de chapelle, comme ça, enfin, un truc, bon. Et une grande table en chêne, et puis tous les étudiants autour, et Kahn arrive et nous parle pendant à peu près 3 heures, comme ça, on l'écoute religieusement, et je ne comprends absolument rien. Alors, je commence à être très inquiet, je me dis, mon anglais n'est pas terrible, oui, c'est normal, bon, bref. Donc, je me tourne vers un voisin, un étudiant américain, je lui dis, tu comprends quelque chose? Enfin, il me dit, non, pas du tout, je ne comprends rien non plus. Alors, c'est Doshi qui donne la réponse. Il dit, à un moment, dans le film, il dit, Kahn parlait de façon spirituelle de la matière. Et un homme normal ne peut pas comprendre ça. Il dit, pour comprendre ça, il faut être un yogi. Dit ça, Doshi. Bon, on n'était pas des yogis, évidemment. Et d'autre part, le discours de Kahn n'était pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser en entendant ces mots, n'était pas un discours évaporé, philosophique ou poétique, ou je ne sais pas quoi. Enfin, non, pas du tout. C'était un discours extrêmement concret, un discours extrêmement simple. Je prends un exemple comme ça, c'était le cas dans toutes les revues de projets qu'on faisait avec lui. Entre parenthèses, 2 après-midi par semaine qui finissaient parfois tard et été comme hiver, bon, malade ou fatigué, il était toujours là avec une extrême régularité. Très grand dévouement à cet enseignement. Ce qui, évidemment, pour nous, était d'une force extraordinaire, en plus de ce qui passait dans son discours. Quand il disait, par exemple, parlait d'un projet, il disait pas est-ce que l'espace devant la maison, là, il est collectif, semi-public, public, enfin, comme on dirait chez nous, vous voyez. Il disait qui balaye cet espace ? Voilà. L'enseignement de Kahn était extrêmement concret, comme ça. Donc, sans doute, d'ailleurs, conforme ou proche d'une tradition juive, où au fond, c'est l'observance des gestes quotidiens qui prime sur le concept. Et le concept vient de cela, et non pas l'inverse. Bon. Et on retrouve tout ça chez Kahn, même si Kahn n'avait aucune pratique religieuse, hein, ni d'observance des préceptes du judaïsme. Mais je pense que, quand même, dans son enfance, il avait été imprégné de cette culture, et je pense que ça se retrouve dans sa pensée, dans son œuvre. Voilà, donc c'était un discours extrêmement concret,
tellement concret, nous qui connaissions tout de la morphologie, de la typologie, de la philosophie et que sais-je encore, qui avions beaucoup lu et pas beaucoup dessiné dans ces années post-68ardes, eh bien, évidemment, on était très dépourvus devant cette pensée. Mais nos collègues américains qui avaient appris à dessiner tous les détails étaient tout à fait aussi dépourvus. Et donc commençait une sorte d'aventure un peu intellectuelle ou spirituelle, je ne sais pas, qui nous prenait énormément. On avait une grande admiration pour lui. On ne connaissait pas bien son travail. On n'avait pas lu ce qu'il avait écrit. On était vraiment jeunes et bêtes comme tous les étudiants, quoi. On débarquait complètement là-dedans. Et puis, d'un seul coup, c'est quelqu'un devant qui, malgré il avait toujours une certaine dignité. C'était pas le genre prof 68ard à vous taper dans le dos. Il était, vous l'avez vu marcher dans les rues de Philadelphie, comme ça, en roulant un peu les mécaniques. Il avait fait de la lutte dans sa jeunesse, ça se voit, enfin, il est un peu comme ça. Toujours habillé en costard de soie noire, toujours froissé, évidemment, un peu. Et donc, assez, pas distant, mais toujours bienveillant. C'est-à-dire, je ne l'ai jamais entendu faire une critique au sens mordant ou au sens méchant de dire, pas du tout. Pas du tout, il racontait des petites histoires pour que les étudiants comprennent. Et il ne demandait jamais « avez-vous compris ?» parce qu'il pensait que soit l'étudiant était prêt à découvrir lui-même ce dont on parlait, soit ce n'était pas la peine d'insister et que le temps viendrait où l'étudiant découvrait. Donc on n'avait pas de notes, il n'y avait pas de rendu obligatoire. Il nous demandait simplement d'être présent aux corrections, disons. Quand on dit « correction » en américain, ça fait évidemment rire tout le monde, parce que ça veut dire plutôt « maison de correction », vous voyez. Donc c'était plutôt des critiques ou des... Voilà. Et donc on se sentait pris dans une espèce d'aventure, et au bout de 3 semaines, on était tous à poil. C'est-à-dire, on n'avait plus aucune de nos petits savoirs, de nos petites ressources, de nos petits trucs, ni techniques, ni intellectuels, ou je ne sais pas quoi. Et donc, on était sans doute prêt à commencer à entendre un peu. Voilà. Donc, c'est l'aventure de cet enseignement était tellement forte que je crois que la totalité des étudiants de Cannes sont devenus enseignants, forcément, et que certains ne s'en sont jamais remis, c'est-à-dire ont arrêté de faire l'architecture pour faire autre chose. Enfin, je reconnais un certain nombre, etc. Voilà. Voilà, donc c'était beaucoup plus qu'un enseignement, c'était quelque chose de très profond et sur lequel, évidemment, on vit toute sa vie. C'est-à-dire que je ne cesse de penser à ça. Et évidemment, quand je regarde ma vie d'architecte, quel échec par rapport à l'exigence du moindre des bâtiments de Cannes. C'est-à-dire que voilà, l'architecture de Cannes, vous la connaissez évidemment, est une architecture dans laquelle il n'y a aucune espèce de complaisance. Rien n'est caché, il n'y a pas de faux plafond, par exemple. Ça veut dire que, par exemple, tous les systèmes techniques sont conçus tout à fait pensé avec la structure, la lumière, etc. Donc il y a cette espèce de totalité d'exigence extrême que disent bien d'ailleurs tous les architectes, Philip Johnson, tout ça, etc. Même Gehry, enfin, qui disent bon, voilà, personne d'entre nous n'est arrivé à la cheville de ce gars-là, quoi. Voilà, on était. Est-ce que tu suivais d'autres cours, d'autres profs ou pas? Oui, alors c'était formidable parce que quelle chance encore. Hein, on nous choisissait les autres cours. Et il y avait Robert Le Ricollet qui avait un atelier de structure. Bon, vous savez qui était Le Ricollet, un très grand ingénieur, un des inventeurs des structures tridimensionnelles avec Buckminster Fuller. Et il nous apprenait à souder, quoi. C'était génial. On faisait des grandes maquettes en métal, et puis après on mettait des poids, on les tirait avec des presses, des dynamomètres, tout ça. Enfin, bon, c'était un enseignement de la structure très pratique, mais en même temps très très inspirant. Enfin, qui nous bon.
Et puis, moi, j'ai suivi aussi les cours de Edmund Bacon, que l'on voit dans un numéro de Rage absolument génial. Vous vous souvenez, quand Edmund Bacon, c'était le grand urbaniste de Philadelphie, qui crache toute sa haine des architectes, sa haine de Cannes, etc., de frustré total. Mais c'était quand même un prof assez intéressant, qui a écrit notamment un bouquin de Athènes à Brasilia, qu'on peut trouver encore. Voilà. Et puis, voilà, dont, puis d'autres, David Van Santen. N'était pas là encore. Comment ? Joseph Rigvert n'était pas là. Non, Joseph est arrivé beaucoup plus tard. Et Lewis Spoonford était déjà parti. Oui, voilà. Non, Joseph, c'est tout à fait une autre époque. Je le connais bien aussi. C'est mon cousin, il se trouve, par hasard. Mais... Donc, non, c'est 10 ans après la mort de Cannes. Cannes est mort exactement il y a 40 ans. Hein. Il est mort en mars 1974. Oui. Alors, il y a une... Enfin, j'ai plein d'autres questions, mais... pour aussi laisser chacun réagir. Je voudrais juste quand même revenir sur ta traduction, enfin ta co-traduction avec Mathilde Bellaigne de Silence et Lumière, et c'est donc aux éditions du Linteau. C'est effectivement un livre, en t'écoutant, là je comprenais mieux ce que j'allais dire maintenant, c'est que c'est un livre d'une incroyable simplicité, avec énormément de redites, de répétitions, mais c'est pas important. Enfin, le coup de la brique, là, demande à la brique, il l'explique à ses étudiants, à un moment donné, quand ils réfléchissent sur ce que c'est qu'une maison de jeunes. Oui. Et puis, il leur dit, voilà, le sujet, c'est une maison de jeunes, et puis, ben, il se passe rien, donc tout le monde s'en va, ils reviennent la semaine d'après, puis il se passe toujours rien, donc tout le monde s'en va, et puis à un moment donné, il y en a un qui dit, une maison de jeunes, c'est une maison pour les jeunes. Alors, Louis Kahn dit... Oui, c'est pas mal ça. Donc c'est un point de départ, c'est un commencement, quoi. Mais il faut beaucoup de temps. Et à un moment donné, il corrige pas, il donne son avis sur des propositions des étudiants. Et il dit, mais là, pourquoi tu as mis autant de fenêtres? Est-ce que tu as questionné le mur? Mur, veux-tu une ouverture? C'est un peu ça, non? Oui. Non, mais c'est un très bon exemple. Il dit à la brique, brique, que veux-tu? La brique répond, je veux un arc. Et Lou lui dit, bon, ben, oui, mais enfin, ça coûte un peu cher, donc si on mettait un peu de béton, etc. Bon, et puis après, il invente, d'ailleurs, à Menamad, et aussi à Dhaka, mais surtout à Menamad, il invente le tyran, vous savez, en béton, qui tient la brique, et il raconte l'histoire en disant... Donc j'ai demandé à la brique, etc., un arc et tout ça, et la brique était très heureuse d'être aidée par le béton pour être un arc, etc. Voilà. Non, mais c'est très important, parce que, vous voyez, c'est, au fond, qu'est-ce qu'il dit? Il parle de façon spirituelle, il personnalise la brique. Mais quand vous avez entendu ça, mais, je veux dire, si vous dessinez une façade en brique, mais vous n'osez même plus couper une brique en deux, vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui est vrai pour une brique, c'est vrai pour une pièce. Il disait, « room », pièce, la pièce, is a structure in its own light. C'est la pièce est une structure dans sa propre lumière. Et là, la structure is a giver of light. La structure, c'est ce qui apporte, c'est l'apporteur de lumière. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des êtres, la sculpture, la structure, la lumière, etc. Ce sont des êtres. Hein. Et donc, ils doivent garder leur intégrité. Et donc, si on rentre un peu dans la philosophie plus pratique de l'architecture de Cannes, qui est également extrêmement forte, eh bien, il y a cette idée, n'utilisez pas ce mot, hein, qui est un peu abstrait, il y a cette idée d'intégrité. Il disait, par exemple, si vous faites une voûte ou une coupole, vous ne pouvez pas mettre une cloison au milieu de la pièce, parce qu'on ne peut pas recouper une coupole. C'est impossible. Donc, Elida, l'image de la coupole vous montre ce qu'est la pièce, et la pièce est un espace par lui-même. Donc, vous allez mettre les fonctions servantes, les escaliers, les tuyaux, les sanitaires, les pièces de service, etc. Alors, vous allez les mettre dans ce qu'il appelait des espaces servants, hein, de façon à garder la liberté de l'espace de la pièce. Alors, d'une certaine façon, c'est une autre manière de penser la liberté du plan, cher à Le Corbusier, vous voyez, ou même d'ailleurs à Adolphe Loos, d'une certaine façon, de Raumplan. Et donc, on voit d'ailleurs apparaître chez Kahn une troisième pensée de la liberté
de l'espace et même de la nature de l'espace. Si on a le temps, j'y reviendrai. C'est encore un petit peu autre chose. Bon. Et donc, si vous voulez, il y a chez Kahn, il y a cette idée que chaque pièce a sa propre structure et sa propre lumière, et que donc il existe un rapport entre tout cela qui est, comme il disait, inseparable parts. C'est-à-dire, il disait, vous cherchez jusqu'à ce que vous ayez trouvé ce qui va constituer les parties inséparables du bâtiment ou de l'œuvre, etc. Donc, inseparable parts. Donc, au fond, l'unité est même aussi le commencement de l'œuvre. Parce que quand on a trouvé ces parts inséparables, alors on a trouvé la nature de la chose. Je vais revenir sur cette idée de commencement, de beginnings. D'abord pour dire qu'il y a un grand malentendu à propos de Kahn. C'est-à-dire que Vincent Scully, le monsieur un peu précieux comme ça, vous voyez que un moment que vous voyez dans l'escalier à Yale, Vincent Scully a écrit que Kahn était le retour à l'Antiquité, le retour au classicisme, le retour, etc., etc. A fait de Kahn un architecte historiciste. Alors, on était en plein postmodernisme, ça allait très bien, ça marchait, c'était la mode, etc. Et Kahn a démenti, il a protesté, il a dit, il n'y a rien de pire que d'être trahi de cette façon-là. Pour moi, les remparts de Carcassonne, dont je me suis réclamé, que j'ai dessiné, eh bien, c'est pareil qu'une pince à linge, qu'une aiguille à nourrice, ça m'a inspiré tout autant. Voilà. Et il disait, plus sérieusement, il disait, j'aime beaucoup l'histoire, mais de tous les livres d'histoire, celui que je préfère, c'est le volume zéro, celui qui n'a pas encore été écrit. Voilà. Donc, il y a chez Kahn, le commencement, c'est pas avant, c'est toujours, au fond, finalement, ce qui est à découvrir dans la pensée, le commencement, c'est pas seulement un commencement temporel, c'est au fond, c'est ce qu'il appelait aussi forme, F-O-R-M, ce qui en anglais se distingue de design. Le design, c'est le projet, tout simplement. Et forme, ce n'est pas non plus shape, l'apparence des choses. C'est au fond la structure cachée des choses, c'est ce qui donne. C'est au-delà de l'apparence, ce qui donne leur existence aux choses, donc forme. Et il séparait, un peu méthodiquement, dans son enseignement, dans ses textes, forme et design. Il disait forme, ben, c'est ce qui est commun, c'est ce qui n'est pas daté, c'est ce qui appartient à tout le monde, etc. C'est quelque chose de l'ordre de beginning. Tandis que design, eh bien, c'est votre style, c'est les circonstances, c'est l'époque, c'est le programme, c'est l'économie, c'est tout ça. Mais ce qui est plus important que design, c'est forme. Et donc, c'est aussi un enseignement qui apprend à relativiser complètement par rapport à ce qui nous baigne de plus en plus et de plus en plus. De plus en plus frénétiquement, qui est la mode, l'apparence, le dessin, la perspective réaliste, etc. etc. Il disait aussi rechercher la beauté pour elle-même, c'est une erreur grave, parce que, tout simplement, eh bien, si vous faites ça, bah, vous allez occulter la nature du problème. Et mon ami Vacchini, que j'aimais beaucoup, disait « si t'essayes de faire beau, t'es foutu ». Voilà, c'est-à-dire à peu près la même chose en langage plus trivial. Voilà, et donc, alors, pour revenir encore un peu sur Beginning, par exemple, on a eu quatre projets. Alors, quatre projets, c'était des projets comme du genre 20 places to live, 20 endroits pour vivre. C'était pas 20 logements ou 20 maisons, c'était comme vous voulez, où vous voulez, etc. Ou une école. Bon. Donc on était censé justement réfléchir. Et à propos de l'école, il disait, au commencement de l'école, il y a un homme assis sous un arbre et d'autres autour de lui qui l'écoutent.
Et l'homme ne sait pas qu'il est un enseignant et les autres ne savent pas qu'ils sont des étudiants. Et avant même les circonstances de l'arbre, il y avait le désir d'apprendre et le désir d'enseigner. Enfin, voilà. Donc, quand vous faites une école, rappelez-vous qu'il faut retrouver ce commencement. Et au fond, il faut essayer de faire l'école et non pas une école. Il faut essayer de faire la maison et pas une maison. Oui, c'est tout à fait ça que j'avais remarqué dans son livre, c'est l'importance des majuscules. Donc c'est effectivement l'institution avec un I majuscule, l'école avec un E majuscule. Et il a cette phrase, je cite de mémoire, tu me corrigeras parce que tu connais Silence et Lumière par cœur, j'imagine. Il a cette phrase qui m'a toujours troublé, moi je ne suis pas du tout architecte, donc cette phrase m'a beaucoup plu et intrigué. Il dit « Le travail de l'architecte est un hommage à l'architecture A majuscule ». Donc c'est... Donc, il ne dit pas l'architecte participe, fait de l'architecte, non, il ne dit pas le mot architecte, il dit le travail de l'architecte, donc c'est son travail, est un hommage. Non, il disait ça très souvent, très sérieusement, il disait, nous ne pouvons pas dire que nous faisons de l'architecture. Le travail que nous faisons essaye d'être un hommage à l'architecture. Et il disait aussi, la phrase que j'ai prononcée au début, What will be has always been. Il commençait cette phrase en disant, en hommage aux grands architectes du passé, ce qui est a toujours été, etc. Voilà. Et alors, il y a une autre phrase aussi sur la ville. Il dit, une ville réussie, enfin une ville agréable, une belle ville, c'est une ville qu'on parcourt quand on est enfant et qui nous donne envie de faire ce qu'on fera quand on sera plus grand. C'est une phrase un peu bizarre, et en même temps, elle est très forte. C'est-à-dire que si, en errant dans Philadelphie, à 10-11 ans, il n'a pas eu ce pressentiment d'être dans un travail d'artiste, bah, il ne l'aurait pas fait. Quoi. Alors, ça, c'est aussi une dimension qu'on pourrait ignorer quand on parle de cette façon aussi sérieuse et même un peu constipée de Cannes. C'était un être très vivant. Il aimait beaucoup les femmes, comme vous l'avez constaté, beaucoup plus que les trois connus. Et donc c'est un peu comme Jean-Sébastien Bach. C'était un grand vivant. C'était un adorateur de la vie. C'était quelqu'un d'émerveillé. Dans la classe précédente de l'année où on était, qu'on voit d'ailleurs, à un moment, on les voit dans la classe, c'était la classe en 71, moi j'étais en 72, donc des gens que je connais là-dedans aussi, et il l'avait surnommé Genius Boy. Et il n'était pas grand, il avait un œil bleu, il était un peu défiguré par un accident qu'il avait eu quand il était enfant, mais il avait un œil bleu pétillant, mais pétillant de malice. Enfin, c'était quelqu'un de... très étrange, parce que à la fois on avait beaucoup de respect pour lui, évidemment on était tous amoureux de lui, enfin on était en adoration devant lui, etc. Mais en même temps, il avait quelque chose d'extrêmement charmant. Enfin, c'était normal, il séduisait les femmes parce qu'il avait justement ce côté presque gamin, enfin très, très juvénile, et qu'il a gardé toute sa vie. Jusqu'à la fin, moi je l'ai connu, il avait 72 ans. Ben, 72 ans, c'était un gamin émerveillé. Et ça se sentait. Comme ça. Et je l'imagine très bien marcher dans les rues de Philadelphie. Et alors les gens l'adoraient. C'est-à-dire qu'on raconte un moment qu'une dame, parce qu'il n'avait pas un rond, il était très pauvre, et d'ailleurs il a gardé à l'Amérique une reconnaissance formidable, parce que c'est le pays dans lequel lui, enfant pauvre, n'ayant rien, a pu faire des études, etc. etc. Bon. Ce qui aujourd'hui ne serait sans doute pas le cas encore, mais à l'époque c'était comme ça. Et donc il adorait la musique, il jouait très bien du piano, et un jour, une dame riche lui donne un piano. Voilà, comme ça, c'est quand même assez rare qu'une dame étrangère donne un piano à un enfant. Et bon, on raconte qu'effectivement, comme il n'y avait pas de place dans sa chambre, il dort sur le piano, sous le piano, je ne sais plus. Voilà. Et donc, il y a ce côté merveilleux. Et d'ailleurs, dans sa pensée, dans son enseignement, il parlait toujours de wonder, l'émerveillement. Et je n'ai plus les citations exactes, mais ça me reviendra. Mais il disait, au fond, faire un projet, c'est être émerveillé.
chercher le commencement, c'est être émerveillé dans la découverte, dans l'imagination, etc. C'était une. Voilà. Alors, est-ce que tu as connu Auguste Commandante ? Non, je n'ai pas connu Auguste Commandante, malheureusement. Enfin, mais il existait. Alors, Auguste encore. Commandante a été l'ingénieur, un des ingénieurs de Louis Kahn, pendant 18 ans. Ouais. Et il a écrit un livre de mémoire, de souvenirs tout à fait passionnant, qui montre l'aspect émerveillé de Louis Kahn, mais qui, du coup, le rend aussi un peu distant vis-à-vis des réalités calculées de résistance des matériaux et autres. Oui. Alors, est-ce qu'il en rajoute une couche, Auguste, pour dire sans moi, il n'aurait pas pu faire tenir ces bâtiments ? Ou est-ce que. C'est normal, il y a une petite rivalité au sommet. Mais Auguste Commandante était quand même un très grand ingénieur, évidemment. Et il a permis à Kahn de faire des bâtiments qui sont tous, même quand ça ne se voit pas, des chefs-d'œuvre techniques. Parce qu'on pense que Kahn, c'est le retour au classicisme, aux beaux-arts, tout ça, c'est des conneries absolues. C'est Kahn est une pensée qui va vraiment dans l'avenir, je vous dirai d'autres choses après là-dessus. Et notamment, il y a un rapport de Kahn à la technique qui est formidable. C'est-à-dire, le Kimball Museum, par exemple, c'est un magnifique chef-d'œuvre d'ingénierie, des coques minces. Mais c'est vrai pour tous les bâtiments de Kahn, parfois de façon assez discrète, hein, c'est pas toujours d'exhibition. Mais il y a chez Kahn toujours une recherche d'aller le plus loin possible dans la performance technique des matériaux. Et d'ailleurs, le IIM, Indian Institute of Management à Ahmedabad, on a souffert parce qu'il y a eu un tremblement de terre et comme tout ça a été calculé au plus juste, eh bien, il y a eu des choses qui se sont effondrées ou qui ont été cassées, etc. Bon, voilà. Donc, non, mais Kahn était justement, n'était pas du tout un architecte passéiste et encore moins en technique. Et donc, ils ont eu avec Commandante un dialogue. Évidemment, certainement parfois un peu conflictuel, etc., mais extrêmement fécond, qui a produit tous ces chefs-d'œuvre. Alors, vous avez vu dans le film la scène extrêmement marrante des entrepreneurs qui disent la haine et le mépris qu'ils ont pour l'architecte, qui leur faisait un cours de philosophie au lieu de leur parler des boulons et des trucs. Voilà. Donc, c'est assez significatif. Moi, j'ai discuté avec un directeur d'un bureau d'études qui a eu à rénover le système de clim du Kimball Museum, etc. C'était un colloque sur les musées, etc. Et le mec était pareil, il avait le même genre de discours. Supportait pas. Et si vous regardez la façon dont la technique est prise en compte, est insérée dans ce musée, mais c'est un pur miracle. Ça mérite d'aller voir de très près. Alors après, tu as été visiter toute son œuvre ou pas du tout ? Je l'ai fait un petit peu quand j'étais à Philadelphie, mais on était étudiants, on n'avait pas d'argent, etc. Donc on est resté autour de Philadelphie, on était à Exeter, etc. Et puis ensuite, j'ai enseigné à Harvard et à Kentucky 20 ans après. Et là, j'ai pu parcourir les États-Unis et aller voir toutes les œuvres de Kahn en détail. Voilà. Donc, et c'est un voyage que je vous conseille de faire. Voilà. Les micros sont à votre disposition pour questionner Christian ou pour témoigner ou formuler une remarque sur ce film de la recherche des commencements. Je m'aperçois que je l'ai vu en 52, donc il débutait. J'ai vu en même temps Bacon. Donc je n'ai pas vu cette bagarre, j'étais à Harvard, j'ai côtoyé Gropius et tout le monde, et puis j'ai fait un voyage avec des élèves, des étudiants de Columbia, et je suis arrivé à Philadelphie, j'ai vu peut-être un quart d'heure, une demi-heure Kahn, et presque autant Bacon. Ce qui m'avait frappé, et d'ailleurs, j'avais été aux États-Unis crachant sur les beaux-arts et tout ça, et c'est grâce à Kahn que j'ai réalisé que justement, il y avait quelque chose que je retrouvais de l'école des beaux-arts. Et quand je suis rentré dans ce local qu'on voit au début, parce que je crois qu'il s'est agrandi, mais c'était un local de 6 mètres de haut, 7 mètres sur 7, un cube. Et il y avait des dessins accrochés en noir et blanc couleur qu'on ne voyait pas à Harvard dans la mouvance Gropius. C'était bien une autre chose. Donc ça a déclenché chez moi un désir de me dire, attention, il ne faut pas que je crache trop sur
là, sur ce qui m'a élevé, quoi, ce qui m'a... Donc moi, j'étais absolument très beaux-arts, mais naturellement, sans essayer de... J'étais très heureux, mais je critiquais l'intendance, la merde, le foutoir, enfin, tout ce qui n'allait pas. C'était surtout les finances et tout ce qui n'allait pas, quoi. Mais l'idée beaux-arts, je l'ai retrouvée chez Cannes. Alors, au beaux-arts aussi, on ne crachait pas sur la technique non plus, c'était normal. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, c'est finalement 20 ans après toi que je l'ai vu. Et quand je l'ai vu, ben, je ne savais pas qu'il était très... qu'il était en débutant. En 51. Ah, j'ai vu dans le film qu'il a commencé vers 51. Oui. Parce qu'il était à Rome aussi en 51. Oui, mais si tu veux, Cannes, en réalité, commence dans l'entre-deux-guerres. Voilà, il est, disons, il appartient à la gauche rooseveltienne, pour donner un peu... Et il organise des colloques sur le logement social, des choses comme ça. C'est la crise, on construit très peu à cette époque-là. Et puis, pendant la guerre, il participe à des recherches sur la reconstruction, la construction de logements sociaux, et il s'associe, même dès avant la guerre, avec deux architectes très importants, qui sont Oskar Stonerov, qui est l'éditeur de l'œuvre complète de Le Corbusier, qui d'ailleurs indique une branche européenne et corbusienne chez Cannes très importante, et George Howe, qui est l'auteur du PSFS Building à Philadelphie. Le PSFS Building, c'est le Bauhaus importé dans le gratte-ciel américain. Hein, voilà. Et George Howe est un grand architecte de Philadelphie. Puis après, il prend son envol, il fait des maisons un peu à la Breuer, tu vois, les maisons de... etc. Et ce n'est que vers la cinquantaine qu'il trouve un peu son... Il a toujours enseigné, hein, l'enseignement a toujours été pour lui une chose essentielle, je le disais tout à l'heure, il venait enseigner pour apprendre, enfin, pour parler, pour conceptualiser, etc. Il avait toujours enseigné, et puis c'est vers 1950, effectivement, qu'il fait les Richards Buildings, etc., et ça commence à devenir un architecte connu internationalement, et il trouve son langage aussi, il trouve sa pensée, il trouve son langage. Mais je voudrais revenir sur ce que tu dis à propos des beaux-arts. Alors c'est très intéressant et c'est complexe. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, Vincent Scully a eu vite fait de mettre Cannes du côté des beaux-arts, de l'historicisme, de la tradition, que sais-je encore. Et Cannes a protesté contre ça. Et il se trouve que Cannes a eu comme professeur d'architecture Paul Cray, Paul-Philippe Cray, français, pur produit de l'école des beaux-arts, qui a construit à Philadelphie, notamment le grand mail diagonal, etc. Bon, donc Cray est vraiment un architecte représentant la tradition beaux-arts dans ce qu'elle avait de meilleur, hein, si tu veux, à la fin du 19e siècle, hein, avant qu'elle ne sombre un peu dans la décadence. Voilà. Mais il y a ce rapport ambigu. C'est-à-dire, quand tu vois, par exemple, le musée Kimball, ben, c'est une composition parfaitement symétrique. Tu as l'impression qu'il y a la cour, le bâtiment central, les deux ailes. Enfin, tu as une espèce de composition classique, instituée, qui aurait pu sortir de Gadet directement. Tu vois, bon. Puis quand tu regardes un peu plus loin, tu t'aperçois qu'en fait... Sous cette apparence très classicisante, eh bien, Cannes opère une révolution qui va beaucoup plus loin que la mise en cause du classicisme, même beaucoup plus loin, en mettant en cause même le concept moderne de l'espace. Alors, tu vois par exemple que cette entrée, elle est bouchée par ces petits arbres qui ne te permettent pas de voir ou de passer en dessous, tu vois. Tu t'aperçois aussi que la véritable entrée n'est pas là. Et que dans le Kimball, comme dans le Salk Institute, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de promenade architecturale. Moi, je pense toujours à Glenn Gould qui disait des variations Goldberg, il n'y a ni commencement ni fin, ni véritable tension, ni véritable résolution. C'est-à-dire que Cannes explore une autre idée de l'espace qui n'est plus corbusienne, qui n'est plus liée ni à la vision, disons, en principe statique du bâtiment classique, hein, accès, etc., ni liée non plus à la promenade architecturale,
mais qui est une œuvre échiquier. Alors, on voit très bien ça, Menabad, etc. Donc, c'est-à-dire une œuvre dans laquelle on peut rentrer partout, sortir partout, il n'y a pas pas d'axe privilégié en réalité. Il n'y a pas non plus d'espace clos. Hein, c'est très important. À Menabad, c'est très clair. Par exemple, bah, tout est transparent. Et le musée Kimball, ce n'est pas des voûtes, c'est des coques. Et au fond, que fabrique le musée Kimball? C'est évidemment une hiérarchie entre les rooms, hein, les coques, et puis l'espace servant qui est entre les voûtes, les coques. Mais c'est un espace complètement fluide, complètement ouvert. C'est-à-dire, ce qui crée la pièce n'est pas l'enfermement classique, c'est l'intensité de la structure dans sa lumière. Mais l'espace, lui, il est complètement continu et il se parcourt dans tous les sens, un peu comme un échiquier. Voilà une autre figure de l'espace. Et j'ajouterais une autre chose, c'est que comme dans l'échiquier, c'est une figure qui est quelque part toujours derrière les œuvres de Cannes, comme dans l'échiquier, le blanc égale le noir. Et je me souviens de Cannes ouvrir les relevés de la Broust fait à Paestum, tu sais, magnifique livre, tu vois, de séjour à Rome de la Broust, avec ces magnifiques plans où il y a des pochers, alors on dit pochers aussi en américain, hein, des pochers, et puis le blanc et les pochers, et il disait light, no light, light, no light, light, no light, light, no light, etc. Bon. Et il disait, vous l'entendez à un moment, la matière, c'est de la lumière dépensée. C'est la lumière dépensée, c'est la traduction littérale qui n'est pas très facile à comprendre. On peut penser au Big Bang, on peut penser à toutes sortes de choses comme ça. Mais en gros, ce qu'il veut dire, et ce qu'il met en œuvre, et ce qu'il illustre par toutes sortes d'autres choses sur lesquels on pourrait passer trop de temps, mais notamment l'idée que la colonne est creuse, enfin plein de choses comme ça, c'est qu'au fond, la lumière est une fonction de la matière, ou la matière est une fonction de la lumière. Et il dit très clairement, et l'ombre appartient à la lumière. Voilà. Et là, on est dans une vision de l'espace qui annonce des choses qui vont se passer après lui. Hein, c'est tout ce qu'on appelle le minimalisme dans la sculpture américaine, enfin dans l'art américain, c'est des années 60. Bizarrement, pour une fois, c'est pas les artistes qui commencent, c'est un architecte qui a cette vision, parce que ça, c'est évidemment pas de parcours. C'est le regardeur qui constitue l'œuvre en se promenant entre des choses, etc. Et l'idée que la lumière et la matière sont une seule et même chose dans une fonction l'une de l'autre, ça c'est une idée absolument fondamentale de Tony Smith, excusez-moi, ça va me revenir, enfin, le mec qui fait des plaques de plomb par terre, bon, ça, bref, ça reviendra, de Donald Judd, etc., etc. Voilà. Et alors, j'ai essayé, quand j'ai été aux États-Unis, j'essayais de retrouver donc des gens qui auraient pu me parler de ce rapport de Cannes et du minimalisme, et il n'y en a jamais eu. J'ai découvert ça. Alors, il se trouve que tous les minimalistes sont des architectes. Hein. Sol Lewitt est architecte, etc. Tony Smith est architecte, etc. Et sont des architectes, donc ils connaissaient Cannes, eux, par contre. Et Cannes, lui, connaissait très bien Joseph Albers, avec qui il enseignait quand il était à Yale. Et Albers est aussi un des pères du minimalisme américain. Alors, vous voyez, il y a des correspondances comme ça, mais c'est très, très fondamental, parce que je pense aussi que des gens comme Herzog de Meuron, au début, pas dans leur nid d'oiseau ou dans choses comme ça, mais dans leurs premières œuvres, qui ont une espèce de densité comme ça, assez formidable, et qui, justement, tournent le dos à l'espace moderne qui se projette, hein, où l'œuvre est un élément radiant, comme disait Le Corbusier, qui se projette dans l'espace, où les panneaux en onyx de Mies van der Rohe qui qualifient l'espace, etc. Tout cet espace projectif moderne est nié au profit de quelque chose qui est beaucoup plus intérieur, beaucoup plus, qui oppose au fond le vide et la densité en permanence. Voilà. Ça, c'est Cannes, et ça, à mon sens, c'est
je dirais, le deuxième concept de l'espace au XXe siècle. Il y a eu le premier, c'est les contre-reliefs de Tatlin, c'est Mies, c'est Corbus, c'est Gropius, beaucoup aussi, la magnifique maison à Walden Pond, là, à côté. Et le nouveau concept d'espace, c'est Cannes. Donc ça n'a rien de rétrograde et c'est pas du tout un retour. Non, c'est pas ce que tu disais. Hein, c'est pas du tout un retour au 19e siècle. Il faut comprendre. Ah, mais j'ai jamais dit que c'était un retour. Non, mais non, oui. je sais bien. J'ai rebondi sur ce que tu disais pour développer ça. Qui souhaite intervenir? Bonsoir. Est-ce qu'il connaissait la France et Paris? Oui, il aimait beaucoup la France. Il parlait un petit peu de français. Un jour, il y a une classe d'étudiants français qui est arrivée. Donc, on m'a demandé de traduire. J'étais un peu intimidé. Donc, il m'a corrigé comme ça deux, trois fois. Bon. Non, il a laissé des dessins magnifiques, justement, d'Albi, de Carcassonne. Enfin, il y a tout ça. Oui, il aimait beaucoup la France. Et alors, il aimait aussi beaucoup Le Corbusier. A priori, on ne voit pas de rapport formel direct entre Cannes et Le Corbusier, mais Cannes disait « Le Corbusier était mon maître, et il ne le savait pas, mais quand Le Corbusier est mort, j'ai compris que je n'aurais plus personne à qui montrer mon travail. » Alors, on peut prendre ça comme une extrême prétention, ou au contraire une grande humilité. Faire beaucoup d'honneur à Le Corbusier, mais enfin, on en parlera une autre fois. Mais... Qui était le plus grand architecte pour Cannes? Pardon, j'ai pas entendu. Qui était le plus grand architecte pour Cannes? Je sais pas. Je pense que, en tout cas, dans la période moderne, je pense que c'était Le Corbusier. Après, Cannes avait beaucoup d'admiration aussi pour les cathédrales, pour l'architecture du passé. Et puis, si vous voulez, je pense que Cannes connaissait évidemment beaucoup de choses, il avait vu beaucoup de choses, etc. Mais il n'en parlait pas comme on le ferait maintenant, de façon un peu scolaire ou un peu académique, en disant « Ah, j'ai visité ceci, voilà, là, vous pouvez aller voir cela, vous apprendrez telle chose, etc. » Non, non, Cannes ne fonctionnait pas du tout comme ça. Donc, on savait assez peu de choses, finalement, sur ses goûts, sauf peut-être Le Corbusier, sauf... Et encore, parce que dans Silence et Lumière, il cite absolument personne. Voilà, il cite alors personne. Que quand on lit Wright, il mentionne qu'il l'avait lu Emerson, voilà. Sorrow, voilà. Victor Hugo, etc. Voilà. Bon, tandis que Louis Kahn, c'est même pas de l'autoréférence, parce qu'il ne se cite pas lui-même non plus. Non, mais non. On voit qu'il poursuit comme ça, inlassablement, sa réflexion. Mais ça va de pair avec le fait que, pour Kahn, la personnalité de l'architecte, le style de l'architecte, n'était pas la chose importante. Et donc, ce qui l'intéressait, c'était ce qui était au-delà de l'apparence, au-delà du style, au-delà du brio, au-delà du savoir-faire, au-delà de l'habileté, au-delà de tout ça. C'était, au fond, plus profond. Et donc, alors après, il y a des tas de petites histoires qui courent, qui racontent que quand Wright est venu dans la classe, c'était à Yale au début, Cannes s'était mis dans un coin pour jouer du piano. Bref, enfin, c'est des conneries, enfin, ça n'a aucun intérêt. Est-ce qu'il y a des architectes aujourd'hui qui se revendiquent de Louis Kahn, à part toi? Je n'oserais jamais me revendiquer de Kahn, absolument pas. Et parce que je crois que c'est impossible, personne. Il y a eu quelques architectes sympathiques qui ont fait un peu à la manière de Kahn, avec des fenêtres rondes, ayant fait des grandes ouvertures rondes, etc. Bon, c'est parfois, je pensais, quelqu'un comme Yves Lepère, par exemple, en Belgique, qui est un type très bien, un bon architecte. Bon, évidemment, ça ne marche pas. Ces bâtiments sont pas mal, mais bon, c'est pas ça. Et tout l'enseignement de Kahn nous dissuadait de faire ça. Voilà. Mais c'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'à telle enseigne que, étant habitant à Philadelphie, on n'osait pas aller voir ce qu'il avait construit à Bridmore, qui est une banlieue de Philadelphie, ou aller voir la maison Fischer extraordinaire que vous avez vue, où il y a les deux sœurs et le frère. Dommage qu'on ne parle pas plus de cette maison. Maison en bois, qui est un chef-d'œuvre absolu
d'un des plus grands bâtiments de la modernité. Enfin, c'est une chose essentielle. Avec association de matériaux différents, c'est ça qui est assez beau. Oui, oui, mais c'est surtout, enfin, c'est surtout là le concept de l'espace et toute l'invention du minimalisme, elle est là. Hein. C'est 1950. Bonsoir. Est-ce que on le voit beaucoup se promener dans le film, mais ces images ont été prises, je suppose, pour un documentaire à la télévision américaine. On le voit. Il n'y a aucune interview où il exprime ses idées avec un intervieweur. On voit rien dans le film à part il se promène et un petit peu quand il donne ses cours avec ses étudiants. Mais il n'y a pas un interview, une conversation avec. Au cours de sa vie, où il a été interviewé pour la télévision américaine ? Non, je pense que malgré tout, il y a quand même pas mal de films d'archives hein, dans le film de Nathaniel. Il y en a certainement d'autres. Bon, je pense que heureusement qu'il n'y en a pas trop quand même, parce que ça serait. Enfin bon, voilà. Oui, il y a des archives. Si vous voulez accéder aux archives de Cannes, c'est très facile. Vous vous adressez à la Cannes Foundation, qui est à l'Université de Pennsylvanie, qui garde toutes ses œuvres, qui a répertorié tout. Et puis, il y a aujourd'hui une bibliographie sur Cannes qui se compte en dizaines de milliers de volumes. Enfin, c'est un truc. La fortune critique de Cannes est gigantesque. Hein. Sans doute un des plus grandes fortunes critiques du siècle. Hein. C'est... Donc tout ça peut être trouvé. Mais il n'y a pas tant que ça, et souvent, ce n'est pas de très bonne qualité. Ça a souvent été fait par des étudiants comme ça. Il n'y a pas de très bons documents. Les images qui sont reprises par son fils, je pense à l'émission de télé, visiblement, entre Kahn et Philippe Johnson, il prend deux ou trois images et tout, donc les propos ne devaient peut-être pas être très approfondis. Mais à d'autres moments, il y a des conférences. Quoi. Mais, monsieur. Bonjour. En premier lieu, je voulais vous remercier d'organiser cette soirée assez exceptionnelle. Je voulais remercier aussi Christian de Villers parce que je vous avais entendu au début de mes études d'architecture, donc ça date il y a une quarantaine d'années. Et j'ai toujours associé Cannes avec de Villers suite à une conférence que vous aviez faite à l'époque et vous nous aviez parlé d'Ahmedabad et vous aviez fait un parallèle assez extraordinaire, et vous parlez de l'architecture et de Cannes en particulier de manière toujours très, très émouvante, sur Ahmedabad et le parc de la Villette et les folies de Tchoumi. Et j'étais resté... Alors peut-être que je l'ai mal interprété, j'aimerais bien qu'on revenir, parce que c'est quelque chose qui m'a porté très très longtemps. Et en réalité, vous disiez, c'était assez simple, c'était que on regardait ces deux projets, c'était à un moment donné un architecte qui fait à chaque fois la même chose, posée l'une à côté des autres, mais chaque chose devient différente uniquement par la manière dont elle est éclairée, et que de l'autre côté, on avait un architecte qui s'évertuait à poser une grille de choses avec une débauche d'énergie pour les rendre toutes différentes, et on les imaginait toutes identiques. Et j'ai gardé ce souvenir, j'ai trouvé ça tellement juste, et ça m'a en tous les cas, voilà, donc je voulais juste vous remercier de cette chose-là que j'ai gardée, et puis peut-être qu'on peut à nouveau en reparler, peut-être que je l'avais mal compris à l'époque. C'est toujours épouvantable de comparer qui que ce soit à Cannes. Enfin, ça, c'est pas possible. Donc, c'était très méchant de ma part de parler juste... de ce pauvre Tchoumi, qui est pourtant quelqu'un de très bien. Non, mais c'est un peu vrai. Si on regarde Ahmedabad, hein, parce que j'ai écrit un gros article sur Ahmedabad, etc. Et pour moi, c'est un des grands sommets de l'architecture du XXe siècle. Ahmedabad, allez-y, vous comprendrez. C'est une chose très simple, vous voyez, en briques. Enfin bon. Et Ahmedabad, justement, montre comment on peut différencier des objets dans une pure répétition. Et entre parenthèses, penser à la musique répétitive. Enfin, il y a
tout ça, il y a des connexions évidemment très fortes, et simplement par sa position. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire, si vous mettez trois choses l'une à côté de l'autre, ben, naturellement, il y en a une qui est au milieu, une qui est à droite et l'autre qui est à gauche. Et elles sont donc différentes, même si elles sont identiques. Et après, quand vous faites une grille à 9 carrés, ou quand vous faites comme à Menabad, donc trois rangées de dortoirs, hein, des petites maisons de dortoirs, et ben, il y en a une qui est côté cour, l'autre côté jardin, etc. etc. Voilà. Et donc, et si vous allez à Exeter, la bibliothèque d'Exeter, qu'on voit très rapidement à un moment donné, il n'y a pas d'entrée. C'est-à-dire que les quatre côtés de la bibliothèque sont parfaitement identiques, il n'y a pas marqué entrée, il n'y a pas un auvent qui dit que c'est l'entrée. C'est donc, et c'est très important chez Kahn, c'est complètement silencieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de symbolisation, c'est pas une architecture signifiante, c'est pas une architecture qui dit je suis une entrée, entrée par là, voilà. Bon. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas même tellement d'expression au sens habituel du terme. Hein. Il y a une expression, mais à un autre niveau. Or, quand vous êtes à Exeter, vous comprenez parfaitement où est l'entrée. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que c'est un campus, que la bibliothèque est placée dans un certain endroit, et que rien que l'association de l'environnement avec la bibliothèque désigne très clairement l'endroit où est l'entrée. Voilà. Ça, c'est très kahnien aussi, c'est très... ça va de pair avec ce que je disais tout à l'heure sur le parcours, sur l'orientation. Donc il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de signe, non, il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est l'idée que au commencement de la bibliothèque, il y a quelqu'un qui prend un livre dans les rayonnages et qui va près de la fenêtre pour le lire. Voilà, c'est comme ça que commence le projet d'Exeter. Et à la fin, quand vous voyez Exeter, qui est un chef-d'œuvre mais absolu de construction, d'intelligence technique, spatiale et tout, c'est absolument extraordinaire. Quand vous voyez Exeter, vous comprenez que c'est cette idée-là qui est là, et uniquement cette idée-là. Il n'y a pas besoin de parler de l'entrée, pas besoin de même au musée Kimmel, si vous voulez, et ben même l'auditorium, c'est sous une coque, dans un coin. Il n'y a que ces coques répétitives, et pourtant elles sont toutes différentes. Et puis il y a trois cours qui sont la cour bleue, la cour jaune et la cour verte, je crois. Et ils ne sont pas du tout peintes en couleur, elles sont en travertin, en béton comme les autres, seulement. Et Kahn dit j'ai taillé un contrepoint de lumière dans la continuité des coques, et chaque cour prend sa lumière différemment. Et donc il y a la cour bleue, c'est le reflet de l'eau, je ne sais pas quoi, enfin la cour verte, il y a des plantes, la cour... voilà. Et ça, c'est à nouveau, vous voyez, le sens vient tout simplement de l'association. On met en rapport deux choses et elles commencent à parler. C'est l'architecture de Kahn aussi, un rapport très étroit avec la polyphonie. Et pourquoi ? Ben, dans la polyphonie, il n'y a pas de voix principale. Toutes les voix sont égales. Et ce qui est important, c'est l'espace entre les voix. Vous voyez ? Et là, c'est ça. C'est exactement ça. C'est toute l'œuvre de Kahn est polyphonique. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'est pas classique. Parce que le classicisme remet tout ça en ordre, met un chef, et on appelle ça la forme sonate, la symphonie, etc. Il y a une voix principale accompagnée. Pas du tout la polyphonie. Et Kahn renoue, comme beaucoup de musiciens modernes, d'ailleurs, contemporains ou modernes, avec l'idée de polyphonie. C'est en lisant Louis Kahn que j'ai compris que la question que je devais poser en tant que critique radiophonique d'architecture, je me souviens quand j'avais commencé l'émission Permis de construire en 1995 ou 16, je me demandais comment apprécier une architecture. Et c'est en le lisant que j'ai compris que la question n'était pas, et tu l'as un peu dit au début de ton intervention, n'était pas pour qui ça a été construit, pourquoi ça a été construit, combien ça a coûté, mais en quoi. Et cette question du en quoi est très difficile. En quoi cette architecture honore-t-elle ce qu'elle accueille ? C'est la question, pour moi, vraiment essentielle. Et donc je vais apprécier une bibliothèque. En quoi cette bibliothèque accueille-t-elle toute la connaissance à partager du monde ? En quoi cette université accueille-t-elle ce lien particulier entre
enseignant, enseigné. Autant vous dire, évidemment, que je ne trouve pas... Enfin, moi, je suis universitaire, j'ai toujours été dans des universités qui auraient pu être des bureaux de la sécurité sociale, mais pas en quoi, vous voyez. Ça ne répondait pas à la question de en quoi. Hein, donc, cette espèce de... Ça revient à l'hommage. Hein. Pour moi, vraiment, le week-end, il y a une très forte spiritualité... Une spiritualité athée, on pourrait dire, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le mot de spiritualité. Mais c'est cette dimension-là qui est décisive. Merci beaucoup, Christian. On va s'arrêter là. Merci à vous. Et bravo.